Bonjour à tous et bienvenue dans Cinéfeuze. Alors, petite vidéo d'introduction pour vous parler du tournage de cette émission. En fait, on a eu un gros souci d'image, l'image saccade durant toute l'émission. Donc, du coup, j'ai décidé de malgré tout vous passer l'émission, mais uniquement en audio, puisque Cinéfeuze a toujours été audio et vidéo en podcast. Donc, pour les abonnés YouTube, voilà, désolé, vous n'aurez pas d'image cette fois-ci. Mais bon, c'est pas grave, on aura une émission top 3 qui va arriver la semaine prochaine où là vous aurez images et son. Mais bon, pour l'instant, ça sera là. Pour l'instant, cette émission, c'est que en audio. Voilà, donc je vous laisse avec moi et avec les deux autres pour vous parler de Star Wars. Et je vous dis à bientôt. Bonjour à tous et bienvenue dans cette Salut. toute nouvelle émission de Cinéfeuze. Une émission de Cinéfeuze tous les 3 mois. C'est super. On est très heureux de vous retrouver quand même, malgré tout. Je pense que moins il y en a, plus c'est sympa. Plus c'est bon. Ouais, on se fait désirer. Il faut nourrir la rareté. Ouais, exactement. Non, bon, il y a eu des petits soucis. Il y avait des gens qui avaient des films à terminer. Et puis l'important, c'est de revenir vous parler avec des films, mais plutôt des petits films, des choses que personne ne parle, donc vous ne voyez pas sur votre timeline aucun opportunisme. De Facebook ou n'importe où. Pas d'opportunisme. Alors bon, on a dit qu'on n'a quand même pas de Star Wars, parce que si on ne parle pas de Star Wars, les gens vont vraiment croire que Cinéphase, ça n'existe plus. Non, et puis même, on s'est déjà vendu en faisant une émission sur la bande-annonce. Oui, voilà. Et puis on va le faire. Alors là, les mecs, je vous ai montré du doigt. J'ai fait, ils l'ont fait. Ils l'ont tout fait. Tout ça pour faire du chiffre, des vues. Tout ce qu'on a dit n'était pas si faux. Bon, alors on va pas non plus revenir sur est-ce qu'on a aimé ou pas aimé, parce que je pense que vous n'avez rien à foutre de notre avis. C'est pas si intéressant que ça. Faut pas être négatif. Non, chaque personne, chaque être humain est important. Chaque personne est non, mais clairement, voilà. Tout pour faire un monde. Comme à peu près la majorité des gens, on a vraiment aimé, sauf qu'on a pas mal de petites réserves. Voilà. Mais dans l'ensemble, J.J. Abrams, on est tous là pour dire qu'il a fait du bon taf. C'est très intègre. Voilà. Force le respect. Maintenant. C'est quoi le concept de l'émission? Alors le concept, c'est qu'on avait plein de questions qu'on se posait par rapport au scénario et tout. Et on s'est dit, tiens, on va les poser et on va un peu essayer de débattre, de discuter ensemble, de voir si on peut répondre à ces questions. Parce que faut quand même dire que c'est un scénario à trous. Hein. Et comme ça, vous allez pouvoir aussi... les combler. Contredire nos argumentations et au moins l'émission perdurera dans le temps dans les commentaires. Et donc voilà, vous pourrez participer. Le débat est ouvert pendant 2 ans, parce qu'après l'épisode 8... devrait combler. C'est une liste de questions de manière totalement exhaustive. L'épisode 8 sera un film de boules. Donc autant vous dire que du coup, on va pas... on va spoiler à mort, hein, évidemment. Donc là, ne regardez pas cette émission si vous n'avez pas vu le film. Mais de toute manière, regardez rien en rapport à Star Wars si vous n'avez pas vu le Star film, Wars. Voilà, assurez-vous d'avoir vu le film avant de regarder cette émission. Voilà, ça serait mieux. Ouais, on va commencer avec les questions. Donc c'est bon, vous avez vu Star Wars, là je spoil direct, Han Solo est mort. Voilà, et c'est le papa de Kylo Ren. Voilà. Bon, c'est bon, hein? C'est vrai. Allez, on y va. Alors, c'est quoi la première question? Alors, la première question, c'est quelle est la différence entre le Premier Ordre et l'Empire? C'est une bonne question. Parce que moi j'en sais rien. Ah, mais ça, c'est... J'ai appris que c'est la même chose. C'est une question de merde. C'est la question à la con pour commencer le truc en fait. Bah, en fait, c'est juste une poche de l'Empire qui s'est développée en autonomie, tout simplement, avec des jeunes et cons. Il y a un nouveau leader. C'est comme le FN, le Rassemblement Bleu Marine. Voilà. C'est vrai qu'on s'est dit qu'en cru, putain, c'est la bonne comparaison. Voilà. Non, j'ai l'impression que ça fait un petit peu plus facho le Premier Ordre. Très martial. C'est le Premier Ordre. Oui, plutôt que l'Empire. L'Empire qui était moins... Tu disais que l'Empire avait des qualités. Eux, ils détruisaient qu'une planète, alors qu'ils y vont à 5. Exactement. Ça restait dans le côté protocolaire. C'est, on discute, on fait un peu de torture et tout ça, et c'est une planète à la fois. Oui, mais c'était Peter Cushing. Alors, il y a un petit coup de roue, là, dans le cas. Ah, j'adore cet acteur. Il est super cool. Donald Gleeson. Qui jouait dans Deus Ex Machina, comme Oscar Isaac. Oui, dans Ex Machina. Ils détruisent Alderaan, la planète de Leia, pour qu'elle parle. Oui. Il y a quand même un certain but. Et puis la torture avant quand même, ils vont pas tout de suite. Oui, avec la petite boule, la boule noire. Non, j'avais compris à quoi ça sert. Avec la petite piqûre. Ouais, c'est du sérum de vérité en fait. Ouais, mais j'ai pas compris à quoi ça sert. Et donc là, sur le coup, c'est vraiment de la pure rage, de l'extinction pour dire c'est nous qui avons l'emprise dessus. Par contre, moi j'aimerais bien qu'on passe à la question directement après, vas-y. Alors, pourquoi y a-t-il une résistance et une république en même temps? Alors, il faut dire que maintenant, ils ne s'appellent plus les rebelles, ils s'appellent la résistance. Mmh. Ce qui est très bizarre, parce qu'il y a aussi la République. Et que si la République a été rétablie, on ne devrait pas appeler ça la résistance, non, mais plutôt les soldats. L'armée de la République. Voilà. Voilà. Surtout que la résistance, ça veut dire que tu es sous l'occupation. Tout à fait. Donc, l'occupation de quoi? De quelle planète? Mais mon Dieu, on n'y comprend pas. Alors que le Premier Ordre n'est pas suprémaciste hein, dans ce film. Hein. Alors, on s'est posé la question, est-ce que le Premier Ordre et la République sont en même temps? Est-ce que, genre, en fait, la République, c'est.
elle est toujours plutôt haute, et le premier est une sorte d'association, association un peu fasciste. Non lucratif, on détruit juste les planètes. C'est pour ça qu'ils sont appelés le premier ordre. Ils ont dit non, on n'est pas l'Empire. Voilà, c'est, c'est bon. Et du coup, c'est passé. Mais parce qu'on voit clairement ces plans un peu qui font Coruscant. Hein, qui est appelée République. La République, alors déjà, c'est bizarre de faire exploser une planète, parce que dramatiquement parlant, bon, on s'en fout un peu parce qu'on l'a pas vu cette planète. Mais c'est bien parce que dans l'épisode 4, on voyait pas les gens. Et là, on voyait les gens. Et là, ça m'a paru vachement plus violent. En fait. Si, parce que dans les retouches du Cassienne, il y a Coruscant et tout ça à la fin de l'épisode 6. Non, elle doit rentrer dans le 4. On voit juste la planète exploser. Oui, mais parce que t'as une attache envers Leia de cette planète. Donc t'as les boules pour elle. Que là, t'as personne. Mais... En fait, il y a une république à l'éclosée. Ah bon, tu vois 10 mecs qui sont. C'est random, quoi. C'est... Non, mais le truc qui me gêne, c'est que les gens dans la république, bah, ils vivent des jours heureux. Enfin, ils sont dans la classe en train de se balader. Et là, oh tiens, le soleil qui se rapproche. Donc c'est quand même perturbant. Ça c'est bizarre. Et du coup, question toujours sur ce premier ordre, comment cette résistance, comment ce général Leia qui s'est battu comme la République, parce qu'on sait pas qui est comment la République, général Leia et tous ces rebelles qui sont venus la République, sûrement normalement, normalement, comment ils ont pu laisser faire se créer un nouvel empire, comment. Il avait la réponse, c'est qu'il leur a juste dit non, c'est le premier ordre, c'est pas l'Empire. Et du coup, ils les ont laissé passer. Non, mais. Ça. Comment ils ont réussi moi, j'ai plus l'impression que c'est parce que Gigi a dit allez, on a évincé George Lucas de la prod, parce qu'on veut pas tes idées, mais on va quand même faire un remake de son film. Tu sais, c'était moins compliqué. Enfin, dans les bouquins de l'univers étendu, l'héritier de l'Empire, on te disait il y a la Nouvelle République, c'est ce qu'il y a. On te disait voilà, c'est juste des gens qui ont survécu à la bataille d'Endor et qui ont restructuré l'Empire au rabais, avec le général Thrawn et tout ça, et qui vont quand même se taper... Oui, mais là, on est quand même dans une ampleur bien plus grande l'Empire. Oui, en fait, c'est comme si le Troisième Reich avait été détruit, et qu'il y avait une organisation avec des néo-nazis qui s'étaient tous rassemblés, qu'on leur avait dit, tenez, prenez du blé, fondez un parti et fracassez tout. C'est limite ça. Mais après, c'est vrai que là, avec les moyens... qui finance, en fait. Ah ben, c'est Snoke. C'est Snoke. Il a plein de pognon, Snoke. Pourquoi c'est pas Dark Snoke, pourquoi c'est juste Snoke? C'était pas un Dark, hein, c'était... Oui, peut-être, sûrement. Alors, on reviendra justement sur Snoke. Alors, on va parler un peu des personnages maintenant. Donc, Leila... Toujours dans la transition. Leila. Général. Leila, c'était la chienne qui est partie dans l'espace. C'est Laika. Tu vois? Ouais, c'est Laika. Donc, Leila est toujours générale. Est-ce que c'est pas bizarre que Leia, après tout ce temps, soit encore générale? Parce que les généraux, généralement, ils restent pas en fait, 40 ans au pouvoir. Leia, depuis tout ce temps, elle est restée devant des écrans transparents, tu sais, à dire « Oh, il faut aller là-bas Allez, vous tuez là !» Elle voit tout le monde de casse-pipe, mais elle ne bouge pas. Non, mais sincèrement, le personnage de Leia est une honte. C'est clairement une honte. Moi, je pense qu'ils auraient dû la tuer. Non, ou alors lui donner vraiment un rôle... de reine, mais de régente qui reste dans son trône. Elle était princesse, c'est parce qu'elle devait devenir reine. Ouais, mais il y a eu un trauma après l'histoire de Jabba. C'était une principauté à la base. Bah, à la base, elle est princesse d'Alderaan, mais c'est aussi une négociatrice. Donc le truc, c'est que bon, là, elle a jamais vraiment été militaire, quoi. Là, c'est vrai qu'elle se militarise à fond, quoi. Même si dans l'Empire contre-attaque, elle regarde des trucs, elle est quand même planquée par tout un réseau de généraux, de généraux, tu vois. Dès qu'il y a le Nouvel Ordre, il y a une sorte d'état d'urgence qui fait qu'elle est... Mais vu que c'est aussi une héroïne de la fin de l'Empire... Oui, c'est un héros de guerre, quoi. Voilà, quoi. Ce qui nous amène à une autre contradiction qui est la suivante. Pourquoi Han Solo est-il toujours contrebandier? Han Solo. Pourquoi il redonnait le contrebandier alors que clairement lui justement avait été promu général? Là il faut être honnête, quand tu vois le film t'as un plaisir mais profond à voir Han Solo, tu le revois et tout, c'est... et t'es en kiff. Puis il y a l'humour et tout. Tu t'assois 3 heures après le film, tu réfléchis, tu dis c'est quand même bizarre, à 60 ans on retrouve le mec avec le même costume qui est toujours à la poursuite de son faucon millénaire alors qu'il l'avait donné à Lando dans le... Dans le 5. Il lui a prêté. Il a dit, tu me le rends. Bon, en tout cas, ça reste. Bref. Et t'as l'impression que. Tu te demandes même si le 3 il est passé. Parce que tu vois quand même que l'Empire contre-attaque, il était général. Lui aussi. Général. Et on se dit, ça aurait été quand même cool finalement qu'il a été commandant ou que finalement il y ait quelque chose qui ait changé dans sa vie. Alors, c'est un peu justifié dans le sens que effectivement. Il a perdu son fils, voilà. Il y a eu un clash entre Leia et lui. Et du coup, il repart. Et effectivement, le mec, il repart avec. Aucun péco, et on devient contrebandier. C'est vachement pour la figure. Mais même dans l'Empire contre-attaque, il dit bon, je suis général, il dit mais il faut que je reparte parce que j'ai un contre-offense. Il a déjà au cul. Et, oui, voilà, mais même. Jacques,
Mais en fait, je pense que c'est ça. En fait, c'est qu'au bout d'un moment, le mec, il a tellement tout perdu qu'après, il s'est rebarré dans une vie de contrebandier avec son pote Chewbacca. Ouais, mais alors, c'est beau, oui, quand il dit à Leia, moi, quand je suis reparti, j'ai fait que ce que je savais faire. Et puis, pareil, il faut Leia. Mais toi, j'ai entendu, j'ai dit, mais c'est quoi que tu savais faire? Il arnaquait les gens. Mais clairement, je comprends le fan service et le fun de le retrouver, comme ça, notre Han Solo. Mais ça aurait été intéressant de le voir. Il n'y a pas d'évolution en fait, de personnage. Non, mais voilà. C'est marrant parce qu'il y a un dialogue entre Rey et Finn qui est important. Finn fait Han Solo, le héros de la guerre. Elle fait non, mais c'est Han Solo, le contrebandier. Ouais. Donc c'est assez intéressant. Non, mais en fait, par exemple, moi, il y a un truc qui m'a fait bizarre, c'est que l'annonce de sa paternité. Et pas du tout annoncé genre avec des éclats, c'est tout, pas c'est l'inverse de Luke de juste ton père. Non, alors par contre, et ça je trouve c'est pas mal, mais du coup après on a genre 10-20 minutes où ils discutent de la résistance et tout sans jamais qu'on le voit avec un regard sombre en train de dire j'ai perdu quelque chose. Et du coup on se dit mais c'est bizarre quand même parce que là il est en train de se rapprocher de son fils sans jamais qu'on ait une scène où il se dit putain. Et là, du coup tu critiques l'acteur directement. Non, parce que je critique qu'il n'y ait pas une scène qui en fait il faut tellement qu'il soit cool que je sais pas, je suis désolé, mais si ton fils est devenu un gros fasciste, t'as peut-être pas envie de faire des vannes tous les jours. C'est pas le style de Gigi de faire penser façon auteur à un acteur comme mais ça. J'ai pas dit faire penser, je dis juste que dans le vide. Je parle de cohérence dans l'histoire. C'est-à-dire que, est-ce qu'à un moment donné, tu te dis Harrison Ford, est-ce que tu dis à un moment donné Han Solo est père? Ouais, je sais pas. Non, mais c'est vrai que dans ce film, il y a aucune solennité dans les twists. Si, excuse-moi, parce qu'il a quand même un lien avec Rey, mais dès le début, un lien avec Rey où il voit en elle, je sais pas, comme le fils qu'il a perdu. Enfin, la fille, en l'occurrence. Oui, bon, c'est comme. Voilà, je pense que si, du coup. C'est bien exploité. Hein. Rayon, lumière. Ah. Toujours personnage. Pourquoi est-ce que Chewbacca, qui est lui aussi un héros de guerre, ne redevient qu'un plus un? Un faire-valoir. C'est vrai que sa plus grosse scène, c'est quand même. C'est quand il crie. C'est quand l'infirmière lui parle. Vous êtes vachement courageux. Inutile pour vendre un personnage de plus en jouet. Ouais. Par contre, quand Han Solo meurt, tu sens la complicité, il est triste. Quoi. Après, il s'énerve et tout. C'est bizarre parce que tu t'imagines que quand le truc ouvre, t'imagines pas Rey et Leila se prendre dans les bras. Parce qu'elle la connaît pas en fait. Donc, oui. Je vois pas trop pourquoi. Elle l'a jamais vue en plus. Il y a une scène coupée. Non mais Rey, elle l'a jamais vue. Non, pas de le prendre dans les bras. Non, mais pour moi, c'est ce que tu entends. C'est ce que tu entends dans l'avance, ce dialogue que tu entends. Qui es-tu? Je suis personne. Leia n'a jamais vu Rey avant le moment où ils se retrouvent face à face après qu'Han Solo soit mort. Parce qu'elle se fait capturer quand Leia arrive. Mais ils sont connectés par la force. Oui, enfin d'accord, mais la force, c'est pas... Ils sont connectés par la force. Alors pourquoi Leia est toujours aussi quiche en termes de force alors que dans la trilogie... C'est pas parce qu'ils sont connectés, mais ils se sont jamais rencontrés pour de vrai. Oui, mais c'est ça qui est... Non, ça c'est beau, c'est romantique, c'est du Star Wars pur, c'est de la chevalerie. J'aurais juste imaginé que Chewbacca, ils prennent dans les bras Leia. Oui, parce qu'ils se prennent dans les bras au début. Ils se prennent dans les bras quand ils se retrouvent. Et Leia n'est pas si quiche que ça, parce que quand Solo meurt, t'as la scène où tu... Oui, voilà, mais t'as que ça. Mais bon... T'as que ça, si. Ouais, c'est parce qu'elle est passive dans la force. Elle reçoit, elle ne donne pas. Un petit peu mal au ventre, elle a pris un space-fond. C'est passé. Alors, autre question. Au début du film, vous avez un grand acteur qui est Max von Sydow. Le seul acteur vivant de plus de 90 ans. Il a 86 ans. Il a l'air important, ce perso, là, puisqu'il donne, on va dire... Oscar Isaac, c'est la première scène du film. C'est très bien, Oscar Isaac, tiens, personnage. Mais, donc, il a l'air important, mais on l'a jamais vu, et il se fait un peu éjecter au bout de 5 minutes de film. Ouais. Donc, il parle quand même énormément de la famille à Kylo Ren, etc. Genre, je connais les Skywalker. Ce qu'on fera à moi, c'est pas pire que ce qu'on t'a fait, etc. Il crée le mystère, donc tu sens que lui, il est vraiment connecté à la force, pas à la rébellion, à la résistance, et peut-être bien à la force effectivement. Ouais. Et ce mec est éjecté. Il Jedi en fait. Oui, un peu, mais bon, ça l'est pas. Bah non, apparemment. Moi j'ai une théorie. Vas-y. C'est que c'est en fait le frère jumeau de l'empereur Ming de Flash Gordon qui aurait migré dans cette galaxie-là et qui serait devenu qui est en fait un mec sympa. Mais le maquillage en moins. Je me disais, ou alors c'est le père adoptif de Stallone dans Judge Dredd. Oui. Quand il est parti dans le désert, en fait, c'était Jakku. Exactement. Et en fait, il a créé un village. Ou c'est purement technique, c'est J.J. Abrams qui avait un bon acteur. Il s'est dit, je vais lui donner du corps, J.J. Abrams crève tout de suite. C'est clair que J.J. Abrams voulait, à mon avis, une figure emblématique du cinéma, comme l'était Cushing, comme l'était Christopher Lee, etc. Mais en fait, c'est plus profond que ça, parce que Max von Sydow s'est fait connaître grâce au 7e saut.
Ça, c'est le 7ème Star Wars. C'est fou. C'est fou. Les questions, enfin les réponses mais, sont. Mais je dirais, voilà, Max von Sydow suscite des choses assez intéressantes. Alors, clairement, c'est un peu la, le petit problème qu'il y a un peu tout le temps dans le film qui est de mettre des personnages qui sont super designés, grave classe, etc. Des chasseurs de primes, mm-hmm. la cantina, tu vois plein de gens, et qui en fait. On une présence réelle à l'écran et qui tout à coup on les voit plus. Ouais. La question c'est quel sera le nouveau Boba Fett de cette trilogie. C'est peut-être le mec qui se bat contre Han Solo, t'es dans le vaisseau justement, ouais. Qui lui dit qu'il est dépassé. Ça c'était cool d'ailleurs comme scène. Qui lui dit qu'il est dépassé et qu'on voit plus d'un coup. Voilà. Tu le revois plus. Il prévient le nouvel ordre, enfin le premier ordre, c'est bon. Voilà. Ouais. Alors autre question. Comment se fait-il que Han Solo récupère le Faucon Millenium pile au moment où Rey et Finn les volaient? Vous n'avez pas trouvé ça bizarre, vous? Si, ça arrive comme un cheveu sur la soupe. Alors, par contre, il explique hein, comme quoi il y a un détecteur, bah, c'est son vaisseau, je pense qu'il doit avoir une balise là-dedans et puis il le recharge depuis longtemps. Par contre, comme mais par hasard, il est pile à ce moment-là. Attends, il le charge depuis longtemps, mais il a quand même un énorme vaisseau où il est censé transporter des monstres chelous. Donc, comme par hasard, avec son vaisseau, il était censé livrer des trucs. Il passe pas loin de Jakku et là, il se dit on va peut-être vérifier si on a quand même le Faucon Millenium. C'est fou, ça. Ouais, et là, il arrive et là, bam, et il tombe sur qui? Des gens qui sont en train de rechercher qui? Luke Skywalker. Mais je les connais, Luke Skywalker, c'est mon pote. C'est mon beau-frère. J'ai mon beau-frère. C'est mon beau-frère. Mais ouais, je le connais. C'est mon beau. Ah, mais le monde est petit quand même. Le monde est petit. Non, non, mais ce qui est magnifique là, c'est juste un mécanisme de scénario. Mais que tu retrouves souvent dans le film, parce que toujours, ils arrivent au bon endroit, au bon moment. Tout c'est temps. Genre, c'est entrée de scène. Ouais. Anne, bah, ouais. Tu peux entrer. Nous sommes, tu oui, nous sommes à la maison. Ouais. Et là, tu dis, ok, tu peux chelou. Bon. Bon, voilà, élément de réponse. Mais je pense que bon, quand même, quand tu vois ça, cette facilité, le fan que nous sommes. Le fan, il réfléchit pas. Le fan, il réfléchit pas, il fait, ouah, et dans la salle, on était tous fous, quoi. Non, moi, j'ai réfléchi. Je me suis dit, mais. Non, moi, j'ai trouvé ça con, mais. Bref, on va se tarder. Hein. C'est marrant, on réfléchira après. Ouais, mais je me suis dit, ouais, mais. Pourquoi? Bah, moi, c'est en fait le début du film, je le trouve très bien. Oui. En fait, il est parfait le début du film. Et ça commence. Les incohérences arrivent. Ça commence quand Han Solo arrive. C'est en fait. Non, non. Pour moi, l'incohérence, c'est le déroulant. Luke est parti, on le recherche tous. Mais il y a quand même un nouvel empire qui s'est créé. Oh, bah, Luke, tu déconnes. Il y a quand même des trucs chelous, quoi. Alors, Poe Dameron, c'est quoi ce nom? Poe Dameron, c'est le personnage de Oscar Isaac. Ouais. Apocalypse. Hein, c'est bizarre comme nom. Bah en fait, ça vient apparemment. Le méchant de Sucker Punch. Ah, oui, ça vient apparemment de Cameron Poe, qui était le personnage de Nicolas Cage dans Les Ailes de l'Enfer. Non, ça c'est marrant parce que. C'est pas Edgar Allan Poe, la rigueur, ça serait peut-être un peu plus classe. Ouais. Non, mais Abraham, ça aime bien faire. Donc, finalement, il y a le capitaine Phasma, la personne qu'on voit 10 minutes dans le film, qui est le grand Stormtrooper argenté. La grande. Et en fait, c'est qui devrait avoir la classe. C'est un hommage à Fantasme, le fameux film Fantasme, dont il est absolument. Enfin, il est dingue et donc il est en train de restaurer le film. Les créateurs, ils mettent les noms ce qu'ils veulent. Oui, hein. c'est toujours des noms moitié américains, moitié. C'est des noms qui sont censés avoir l'air cool, quoi. Voilà. La dernière fois, j'avais trouvé qu'il y avait des c'est mecs. Vrai, quand ils l'appellent Poe. Bah, pour moi, Poe, c'est un Teletubbies. Hein. C'était dans Pacific Rim, ils avaient essayé. Qui est en rouge en plus, comme la combinaison des rebelles. Non, j'avais pensé qu'il était Teletubbies. Dans Pacific Rim, ils avaient essayé de donner comme ça, c'est des noms un peu cool. Oui, Stacker Pentecost. Voilà, c'est Stacker Pentecost. Tu dis, mais qu'est-ce que c'est que ce nom, quoi? C'est juste. Enfin, c'est le côté Star Wars, quoi. Sauf que dans Pacific Rim, ça se passe dans notre monde, à notre époque. C'est comme si tu t'appelais Robulard, tu vois. Alors, Robulard Polo. Robulard Polo. Okay. Bon. Alors, toujours Poe. Alors, comment ça se fait que on commence le film sur Poe et une fois qu'il est séparé de Finn après l'explosion du TIE Fighter, on le voit plus pendant une heure de film au moins et d'un coup à la fin, mais je suis là. Mais comme au théâtre. Non mais surtout que je suis là. On ne le voit pas mourir, donc on sait très bien qu'il n'est pas mort. Oui, c'est Oscar Isaac, ils l'ont pas pris pour 3 minutes. Et du coup, c'est et ça c'est quand même un petit peu fatigant quoi, d'avoir on va dire un attachement émotionnel avec ce personnage du début qui en plus parce que c'est lui qui vraiment c'est lui qui te fait quand même l'introduction sur l'épisode 7 et moi franchement je vois Max von Sydow et lui et je me dis putain Oscar Isaac il a la classe, ok, j'ai envie de le suivre et je suis trop content quand il y a l'alchimie qui se fait avec Finn, qui est, les deux acteurs marchent trop bien ensemble super. Même quand ils se retrouvent c'est tellement beau, Tu sais qu'il va revenir mais tu fais c'est quand même con de l'avoir abandonné pendant autant de temps en fait. Tu sais qu'il va revenir, mais tu te dis, cela ne justifie pas le fait qu'on ne t'explique pas que ce mec n'est plus là.
Tu vois, surtout que ça fait du bien de voir un personnage qui n'est pas un Jedi ou une princesse ou un pilote, Solo, quoi, un vrai pilote. Juste un pilote de Rogue. La scène où il se fait torturer par Kylo Ren est géniale. Enfin, du sang, quoi. Oscar Isaac, il mérite presque d'être nominé pour un Oscar du meilleur second rôle, tellement ah oui, il est énorme. Mais tu trouves pas juste il est authentique. En fait, il y a un potentiel énorme, mais quand il revient, il est en deçà. Parce que comme il est plus dans l'histoire, il y a tellement d'autres personnages. Justement, comme il n'a pas été avec les deux autres pendant tout le truc, il est un peu à part, donc il va aider, aider Finn. Qu'est-ce qu'il a mais comme au final, scène il a juste, il a les scènes il a les scènes devant les écrans, donc avec Leia, les scènes juste frontales comme ça. Et puis les scènes où il est dans son cockpit. C'est le seul qui a la fin, alors que c'est quand même lui qui a commencé. Et moi, ça m'a énormément frustré qu'il n'y a pas une scène de fin. Oui, c'est vrai qu'en fait, il est avec Leila et tout le groupe en train de regarder Leila. Libelle, au revoir les copains. En train de faire au revoir à Rey. Et c'est vrai, ça, mais c'est bizarre. Et j'aurais dit, ça aurait pu avoir une bonne scène où tu as Rey qui lui dit bah, écoute, tu peux t'occuper de Finn parce que moi je me barre. Enfin, juste cette scène-là, tu vois. Mais je pense que ça y était. Ouais, je pense qu'il y a eu des coups. Il y a énormément de coups. En termes d'écriture, c'est quand même très très frustrant, que ce soit pour le fan, mais même peut-être pour le créateur, de donner corps comme ça à un personnage qui est super important. L'acteur il est très bon, tu sens que c'est et censé de l'évincer du récit ça progressivement. A l'air d'être, même pas progressivement, il est censé être le nouveau Han Solo, quoi, quasiment. Alors tu veux dire Finn est un peu le nouveau Han Solo, mais je pense pas, je pense que c'est vraiment lui. La réticence, quoi. Non, clairement, ouais. Je pense qu'il y a Finn, Rey et Oscar Isaac qui sont le nouveau Han Solo. Ça fait tellement de prestance que c'est les trois personnages ensemble qui vont le remplacer. Mais Abraham, ça dit qu'il avait coupé apparemment presque une demi-heure du film. Hein. Ah ouais. Donc tu te dis. Pourquoi il a les pleins pouvoirs Mais non, parce que. Peut-être qu'on va avoir un premier Star Wars avec une version longue dans le DVD. Non, parce qu'apparemment, il a dit qu'il voulait faire un film structuré comme les autres. Un film qui fasse 2h10, 2h. Et pas tomber dans le piège du film de 2h40. Et pourtant, c'est pas structuré comme les autres parce que lui, il est très cut. Oui, voilà. Mais ça se voit. Le problème, c'est que. Mais c'est le problème, on va dire, des blockbusters d'aujourd'hui, c'est que quand tu vois les fights aujourd'hui, c'est pas des fights techniques, fondamentalement c'est des fights de scénar, tu vois les gros trucs qui se fracassent la gueule. Alors tu regardes, par exemple, je compare avec un autre space opéra, Gardien de la Galaxie par exemple, qui est un film qui fait 2 heures aussi pareil, t'as pas la sensation de frustration, tu dis ça aurait pu être développé plus, à part le méchant bien sûr, mais c'est quand même le gros point fort de Star Wars là, c'est justement le méchant, parce qu'il fait toujours un bon méchant. Gardien de la Galaxie, j'aime beaucoup ce film. Mais ça pourrait être un chef-d'œuvre s'il y avait un méchant qui avait c'est le problème de tous les Marvel en fait. Oui. Mais tu n'as pas l'impression que quelque chose a été coupé sur les trucs entre les personnages gentils, tu vois. Non. Tu vois, c'est juste cet aspect-là. Alors, autre question. Donc pourquoi il y a un Gollum géant au milieu du film ? Alors, ça en fait c'est Snoke. Ça a été c'est la question qui m'est sortie quand je l'ai vu. J'ai dit "Putain, il y a un Gollum géant dans le film." Et donc l'acteur c'est bien Andy Serkis qui donc a fait tout hein, Avengers. Ça, il fait tous les films. Bon, dès qu'il y a un acteur qu'on voit pas, c'est lui. Pour toi, c'est les 2 minutes d'Avengers qui t'ont marqué. Non, quand il joue le mec là, on zappe la planète des singes, Gollum, non, Tintin, King Kong, tout ça, on s'en fout. C'est pas ça que j'ai dit, c'est juste qu'il fait toutes les grosses franchises en fait. Ah bah, là, et le Hobbit et tout. Disney le récupère. Dès qu'il y a, c'est le motion capture lui, c'est ça. Hein. Est-ce que ça t'a surpris quand t'as entendu qu'il jouait dans le. Dans le prochain Star Wars, t'as fait oui. Non, ça m'a pas surpris. Ça m'a pas surpris, mais c'est le design de son perso qui aurait pu être fait en maquillage et pas du tout. Alors, je pense que là, qu'il ressemble un peu, ils pourront se défendre dans le fait que c'est un hologramme, mais le personnage, c'est vrai que c'est un Voldemort-like. Mais la question, c'est qui est Snoke en fait ? Parce que ça a l'air d'être Snoke, hein. Ils disent pas, c'est Snoke. Ils disent le grand. C'est Snoke qui t'a. Le chef suprême, un truc comme ça, ouais. Je sais pas si c'est vraiment c'est Leia qui dit Snoke à Rinson, à Han Solo, en disant c'est Snoke qui l'a perverti. Bon. Mais ça se trouve Snoke c'était un pote. Après vous dites que c'est pas que le mec ce n'est pas un Sith. Tu sais quand je disais César Snoke. Alors si jamais c'est lui Snoke hein, si c'est forcément un Sith puisque c'est lui qui parle de la formation de Ben. De Kylo Ren. Donc et comme un Jedi marche toujours par deux, enfin un Sith va toujours par deux. Comme les couilles, du coup, ou les seins, comme vous voulez, sauf s'il y a un cancer du sein. Là, c'est triste. Mais c'est-à-dire qu'il y a un cancer des testicules, ça marche aussi. Un mort d'un jumeau, ça marche. Bon, pourquoi on est là ? Enfin, bref. Du coup, c'est forcé que c'est un site. Je pense. Je pense aussi. Je pense. À un niveau au-dessus. Ouais, alors, j'ai des rumeurs comme quoi. C'est toi qui parlais de ça ou c'est toi ?
Que c'était en fait le Dark Plagueis qui était évoqué dans l'épisode 3, c'est ça? Ouais. Le maître de Palpatine. Le maître de Palpatine, le fameux, celui qui a réussi à réunir les deux côtés. Non mais regarde, imagine. J'espère que non, parce que ça, regarde, fantasme de geek, imagine c'est lui. Ouais. C'est bizarre parce qu'effectivement il aurait jamais interagi sur toutes les guerres. Bon, c'est pas grave. C'est peut-être le mec derrière le mec. Oui, mais derrière, toujours derrière un mec. Normalement, c'est une partouche géante. Hein, il y a le héros qui arrive aussi, donc tu vois. Imagine que le mec aurait géré peut-être le côté obscur et le côté clair de la force. Et qu'il aurait brouillé justement le côté clair de la force pour cacher la montée du nouvel empire. Imagine qu'il y a un truc encore plus subtil que Palpatine. C'est pas inintéressant dans la mesure où comment il s'appelle, Kylo Ren voit le retour au côté clair comme une maladie ou comme une faiblesse. Il dit s'il vous plaît préservez-moi du et ça c'est intéressant, c'est super. Préservez-moi du côté clair s'il vous plaît, je pars retourner là-dedans. Les trois nouveaux personnages, Rey, Finn et Kylo Ren, ils sont merveilleux. Non, il y a rien à dire. Personnages tellement chouettes. Alors, donc la nouvelle arme, la grosse arme du premier ordre s'appelle donc la Starkiller Base. C'est un petit peu l'étoile noire, mais en plus gros. D'ailleurs, on le voit dans le film. Alors, les mecs se sont pas dit qu'après une première étoile noire finie et une étoile de la mort qui était pas finie, qui se fait déglinguer, ils se sont pas dit que c'était peut-être une mauvaise idée, cette histoire de planète qui envoie des rayons et qui se fait. Non, parce qu'ils ont fait plus gros. Ça veut dire, mais c'est cyclique. N'oubliez pas les titres, c'est les guerres de l'étoile. Vous l'avez dans le 4, vous l'avez dans le 6. Du coup, là, on le récapitule dans le 7 et devrait y avoir du coup dans le 9. Oui, mais en fait, c'est cyclique. Et ça sera carrément un univers après l'étoile. Là, ça fait un peu toujours plus gros, c'est un peu bizarre. Et ça fait, c'est ce que les gens disent quand ils disent que c'est un remake du 4. Et est-ce que c'est juste pas Abrams qui s'est dit, il nous faut le Deus Ex Machina de base de Star Wars, qui était génial dans Star Wars, parce que c'était une pure idée de mise en scène et assez épurée en fait, c'est-à-dire je fais une sorte d'épuration pour avoir vraiment l'objectif le plus précis et le plus simple et qui marchait quand t'étais gamin. Du coup tu dis ah ouais, il y a un trou, il faut y aller, il faut tirer dedans. métaphore et tout ça. Mais ça semblait logique. Et le problème c'est que là du coup c'est vachement complexifié. Du coup moi j'ai pas très bien compris pour comment le truc marchait. En fait, ce serait simple. Et comment fallait. Parce qu'ils disent, oui, contrairement à l'étoile de la mort, là, il n'y a pas un trou. Ils ont compris qu'il ne fallait pas laisser un trou où on pouvait faire. Oui, tu laisses pas une faille bien ouverte, genre avec le bouton, allez-y. Mais ça, c'est pas. En gros, je ne sais plus trop ce qu'ils vont détruire. C'est le générateur, un des générateurs. Au final, c'est ce qu'ils font. Qui est plus. Au final, il y a quand même une faille. Bah, de toute façon, c'est. C'est une faille couverte. C'est-à-dire que tout l'assaut des X-Wing ne suffit pas pour détruire cette faille. Heureusement qu'il y a Harrison Ford et Chewbacca qui vont désamorcer le. Dans le Retour du Jedi, c'était la même chose. Oui, mais bien sûr. Oui, non, comme le droïde qui a un plan et qu'il faut choper. Voilà, c'est pas Star juste Wars, pour ça. Hein. Est-ce qu'à un moment donné, ça serait bien. Le remake, c'est tout le film, c'est pas juste l'étoile de la mort. C'est fou que après 7 épisodes de Star Wars, on en soit encore à la grosse étoile qu'il faut désactiver le bouclier. Je suis totalement d'accord. Mais de toute façon, c'est un film aussi qui permet à Lawrence Kasdan, le scénariste, de mettre toutes les idées qu'il n'avait pas eues sur le retour du Jedi, tu vois. Alors, c'est sûr. Pensez juste qu'ils ont viré Lucas de la prod. Mmh. Et que Lucas, quand il a dû voir ce film, on lui a dit non à toutes ses idées. Hein. Quand il a dû voir ce film, il a dû se dire putain, ils m'ont pompé tout. En fait, c'est quand même vache. En fait, c'est marrant parce que c'est un film qui te fait plus penser. En fait, tu ne fais que penser à George Lucas, mais George Lucas du premier film, de l'Empire. Bon, George Lucas 4, pendant tout le film, et tu te dis. L'épisode 4 est tellement surpuissant qu'il est plus présent que le réalisateur Abrams sur ce film. Parce qu'Abrams était un fan hardcore, du premier. Ouais, mais ça serait bien aussi d'avoir un mec peut-être qui. Entre Jurassic World et Star Wars 7, ça fait quand même deux blockbusters, deux fanboys. Hein, ça fait deux reconditionnements, des repackages de films qui existent déjà. Sauf que Abrams, vu qu'il a du poids et pas Colin Trevorrow, résultat est quand même. Oui, parce que qualitativement, c'est. Et puis, je suis désolé, visuellement, le Star Wars, il déglingue, alors que Jurassic World, c'est juste pas possible. C'est clean. Oui, c'est clean, ouais. Voilà. Alors. C'était quoi le délire avec le soleil? Tout simplement, comme c'est une planète, l'arme maintenant. Pour générer un tel canon qui n'a pas de nom, parce qu'ils n'arrivent pas à trouver de nom, c'est pas un laser, ils disent on ne sait pas ce que c'est, mais c'est énorme. Énergie propre, ouais, voilà. C'est la première étoile noire bio. C'est ça la différence qu'il y a avec l'Empire et le premier ordre, c'est des vers en fait. Les mecs, ils veulent pas faire une planète artificielle parce que ce serait trop polluant en termes de chantier, donc ils la font directement
sur une planète de glace. Mmh. En gros, ils pompent le soleil, c'est tout. Ils prennent l'énergie du soleil et c'est pas plus compliqué que ça. Et ça recharge l'arme. C'est comme le laser dans Meurt un autre jour, le James Bond. Ah, le laser qui pompe le soleil, c'est pareil. D'accord. En plus gros. C'est la même chose que les thunes. Tout Star Wars a toujours été très simple, hein, très manichéen, etc. Dans tous les artifices comme ça, l'étoile de la mort, etc. Mais là, c'est la taille d'une planète, donc ça se justifie que la pile, ce soit le soleil. Quitte à pas faire la même chose, mais un peu différent, et à faire un truc par rapport. Oui, mais ça revient sur la question d'avant. Moi, je suis chef de l'Empire. Je me dis, bon, on a fait que des étoiles noires, parce qu'on aime bien ça, et on est sûr que ça va marcher un jour. Est-ce qu'ils ont encore les mêmes ingénieurs? Pour être les virer, est-ce qu'ils... J'ai les trois mecs qui disent, on va refaire une étoile, on va faire plus grande cette fois-ci. Mais on a déjà fait. Avec une plus grosse faille. Ouais, mais la faille, là, elle aura un bouclier en plus d'un bouclier. C'est génial, c'est du génie. Non mais pourquoi ils n'en ont pas fait trois par exemple? Comme ça, pour en faire péter une, ils vont pas péter. Ils en ont quand même deux autres et ils ont le temps de tuer les autres. C'est pas encore un nouveau empire, il faut la tuer. Ils n'ont pas fait la fosse. Une fosse. Non, je sais pas. Non, mais, ils ont peut-être un crédit sur l'achat de la planète aussi. Attends, imagine, déjà une planète, ça vaut la peau du cul. Ouais. Déjà, il faut restructurer le premier ordre. Et en plus, bon, maintenant, si les seniors Sith se mettent à péter les ordinateurs dès qu'ils ont une. Ils pouvaient quand même pas, les pauvres, prévoir que Han Solo intègre donc cette planète en hyperespace. C'est vrai. Hein, parce que c'est quand même couillu, hein. Han Solo, il les a quand même comme ça. Et bon, bien sûr. Dans le film, ils n'ont pas prévu que l'hyperespace devrait déformer normalement la réalité. Bon, c'est pas grave, on va pas aller jusque-là. L'hyperespace t'amène vraiment au point direct où tu veux. Allez, je redresse là-bas, je fais du surf avec le faucon, la vie est belle. Putain. Bon, on aime ce film, les mecs. Alors, pas de question, on va arrêter. Alors, qu'est-ce que le sabre laser de Luke Skywalker fout dans la cave de la vieille Maz, c'est-à-dire dans le petit coffret? Et la petite dame jaune. La petite dame jaune. Ça ressemble un peu à un mignon de Moi, je suis méchant. Elle l'a quand même mis dans un petit cagibi, accessible à tout le monde, hein, apparemment. dans un petit coffre, elle a arraché comme ça, un débarras, quoi. Déjà, Maz, c'est quoi? C'est l'ex de Yoda, enfin, j'ai l'impression. Ou alors c'est le Yoda-like? C'est la maman des mignons. La maman des mignons, ça se voit. Là, sur le coup, c'est l'un des personnages en CGI le mieux fait. Elle est magnifique. Elle est super. Les rides et tout, partout, c'est super. Ils ont pris une super actrice aussi pour le faire. Hein. Ah ouais, c'est qui? C'est Lupita Nyong'o qui jouait dans Twins of the Slave. Ah oui, mais c'est vrai. Qui a vraiment pu changer sa voix parce qu'elle est jeune. Elle a vraiment changé sa voix pour avoir la voix d'une vieille dame. Et du coup, parce qu'elle a pris les cours avec Andy Serkis en fait. Elle a été formée par Andy Serkis pour ce film-là. Et du coup, t'as un personnage qui fonctionne. Oui, qui fonctionne vraiment. Très bien. Je sais pas s'il va bien vieillir, mais en tout cas, actuellement, le personnage fonctionne super bien. En tout cas, qu'est-ce que fout ce sabre? Alors, surtout que, autre question. Le sabre laser de Luke qui est retrouvé donc dans la cave, dans le petit coffret, dans le petit coffret de la porte ouverte, n'a pas été. C'est le sabre bleu de Luke avec le laser l'Empire bleu contre-attaque. Donc, qui a été dans l'Empire contre-attaque, qui avait été perdu dans l'espace quand il s'était coupé. Il avait été perdu avec la main de Luke dans l'espace. Dans la cité nuage. Voilà. Et donc comment ça a été retrouvé et comment ça se retrouve là dans la cave, dans le coffre? Je ne sais pas. C'est bizarre parce qu'elle dit c'est ton père. Ouais, attends. Lui qui l'a laissé. Mais non, lui, mais il avait un sabre laser vert. Regarde. Avec la force, peut-être qu'il a retrouvé son sabre. Les sabres, c'est eux qui se les créent, avec les cristaux, etc. Non, mais imagine que c'est lui qui l'a retrouvé pendant qu'il était en train d'éduquer Ben. Ouais. Hein? Ok, Stark. Kylo Ren. Il l'a retrouvé pour le donner à Kylo Ren, peut-être. Et c'est pour ça que Kylo Ren, quand il voit le sabre, il dit c'est mon sabre. Parce que c'est le casque de mon grand-père. Non, mais je suis sûr qu'il a retrouvé ce putain de sabre et qu'il l'a donné à Kylo Ren et que c'était son sabre de Jedi, de Padawan à Kylo Ren. Et c'est peut-être le sabre de... On est sûr que c'est le sabre de Luke et pas le sabre de... Le sabre du père d'Anakin. C'est le sabre de Luke. Il en a vu ce sabre. C'était le sabre de Anakin que finalement Obi-Wan a récupéré, qui a redonné à Luke, et qui a été perdu dans le combat de la cité des nuages. Donc après... Et là, d'un coup, il s'est retrouvé dans le cave. Je suis sûr que ça, il l'a retrouvé, son sabre. En fait, ce qui est assez... En fait, il y avait des rumeurs assez persistantes pendant longtemps qu'en fait l'histoire commencerait avec la main de Luke et le sabre laser qui serait perdu, qui tomberait sur Jakku. Ça devait être un trompe-l'œil en fait, parce que ça devait se présenter comme les vaisseaux qui rentrent dans le champ. Au début, tu dis c'est quoi ce vaisseau, et en fait tu te rends compte que c'est une main qui tourne. Mais bon, ça c'est un peu la con. Je sais pas, apparemment on a l'impression quand même que peut-être c'était dans les premières idées. Ça aurait été une très bonne idée. Oui, mais ta main elle rentre dans une atmosphère. Elle a été. Ça aurait pu être une vitre derrière. Elle a été un peu
comment dire, elle a été un peu, tout le monde a chié dessus en disant, ça aurait été visuellement très intéressant. Mais je me demande si c'est pas une récupération de là-dedans, et du coup ils ont un peu, je pense, parce que même il y a des plans dans le trailer où tu vois tu vois Maz donner le sabre à une main de femme. Un peu. Dans les trailers, je crois. Enfin, il y a des trucs où tu dis, ce n'est pas du tout. Il y a deux plans du trailer qui ne sont pas dans le film. Il y a ça, plus un plan où tu vois Kylo Ren qui allume son sabre laser dans la neige ouais. Et tu ne vois jamais ce plan. C'était le plan teaser. Le plan teaser le plus connu. On reste avec Luke. Ok, ouais. Restons avec Luke. Qu'est-ce que fout Luke pendant que ses potes se font tuer? Et il fait des barbecues dans sa petite planète en Bretagne, apparemment. Parce que ça a l'air d'être une planète un peu pluvieuse. Pirate. Ouais. On peut se dire la même chose de Pêche. On peut se demander la même chose de Yoda. Petit caca. Mais il est mort. Non, mais de Yoda à l'époque de l'Empire. Oui, c'est vrai, oui, tout à fait. Oui, mais il se cachait parce qu'on voulait. Il se cache, il est en ermite. Oui, mais c'est la même chose pour Luke. Donc. Mais non, en fait, il s'est barré quand il a merdé. Il a fait, oh, j'ai merdé, oh, je m'en vais. Que lui s'en aille, il y a eu un empire qui s'est créé. C'est ce qu'il est dit dans des romans. C'est ça. Waouh. Mais quand même, que tu te planques dans une planète boueuse avec des marécages, ça fait sens. Mais là, t'es dans une planète avec des. Ouais. Putain, oh non, j'ai bouffé une baleine, non, mais j'adore. Mais franchement, moi, même en regardant une deuxième fois le film, j'ai eu un frisson de fou. Ça, c'est vraiment la question à la con, parce que la scène. Elle est énorme, ça défonce. C'est vrai que lui, c'est le dernier qui devrait avoir l'essence du côté clair de la force, devrait ressentir tout ça, tous ces troubles, et surtout le côté obscur qui envahit l'univers de nouveau. Il laisse du coup. Dans l'Empire contre-attaque, il prend le risque et il manque de se faire tuer parce qu'il sent que Han Solo et Leia vont se faire buter dans la cité des nuages. Mmh. Et là, il y a Han Solo qui se fait buter comme une merde, il se fait buter quoi. Et le mec bronche pas un sourcil. Enfin, en tout cas, on n'en sait rien. Tu sais très bien que l'idée est qu'en fait. Techniquement, c'est comme ça que D2R2 se rallume. Je me doute, mais tu sais bien qu'en fait, la structure est faite pour que nous, spectateurs, on voit le dernier plan du film, c'est Luke. Oui. Et que ça fasse sens et que tout le monde kiffe. Donc, en termes de structure et de crescendo émotionnel, et pour te donner envie de voir la suite, c'est parfait. Mais est-ce que c'est une logique par rapport à ce qu'on nous avait fait du personnage, qui était un personnage qui justement mettait en avant ses amis plus que qui avait quand même été sauvé Han Solo sur Tatooine après, qui se battait pour ses amis, qui prenait des risques, qui n'a pas terminé sa formation, et c'est ce qui lui donnait aussi sa particularité et sa force, et pas que la force, parce que je suis désolé, les mecs Yoda et Obi-Wan, ils n'ont rien vu venir, ils sont quand même fait baiser. Il y avait quand même cette idée-là, que ce mec-là était fort, parce que justement, il avait ses amis, il avait ses trucs. Et là on a l'impression qu'il n'a rien appris de tout ce qui s'est passé derrière. Mais qu'est-ce que t'as foutu, quoi, genre, c'est un peu bizarre. En fait, pour moi, c'est très bizarre. C'est assez logique, parce que justement, Obi-Wan et les autres leur disent, laisse-les tes amis. Tu ne sers à rien tant que tu n'es pas accompli. Et là, j'ai l'impression qu'il dit, bon, bah, même si je me mêle de tout ça, je ne pourrai pas, toujours en mouvement et l'avenir, je ne peux pas interférer dans ce qui va se passer. Je sais pas. On reste quand même déçu. Moi, j'aurais bien aimé avoir. Moi, c'est ma théorie de fan débile. Hein, moi, je serais Han Solo, je dirais connard, tu m'as laissé comme une merde. Non, c'est bizarre. Han Solo, il aurait dit ne viens pas. Ouais. Ne viens pas. Oui, peut-être. En fait, à la base, ne pars pas, quoi. Ne pars pas. Oui, puisque. Ne pars pas, t'as fait une connerie, répare là. Oui, répare là. Tu vas laisser le côté obscur revenir. Mais peut-être qu'il va y avoir cette problématique-là entre frères et sœurs. Hein. Oui, peut-être. Ouais. Enfin, elle est quand même, Leia, elle est un peu. J'ai envie de voir tout le monde allié, belle. Ouais, mais en même temps, elle fait pas grand-chose. J'aime tout le monde. Alors. Bonne question. Alors, Kylo Ren a le masque de Vador qui a été brûlé, donc sur Endor. Là, c'est pire que le sabre, là, tu vois. Parce que. Ah, pour moi, non. Mais comment tu retrouves le masque de Vador? C'est plus gros que le sabre, quand même. Mais il a été brûlé. Le corps était sur un bûcher qui n'a pas bougé. Le sabre, il a quand même fait le masque. Le masque, il n'a aucun pouvoir. Le sabre, il est connecté à son maître. Peut-être qu'il est dur à brûler. Le masque n'a aucun pouvoir. C'est une idole. Oui, mais le retrouver. Enfin, normalement, il est rentré dans un. Je ne sais plus c'était quoi le. Une sorte de conduit qui a brûlé là. Enfin, il était sur un bûcher. Un crâne, tu le retrouves toujours. Hein. Bon, ça c'est pareil, ça va être très théorie, c'est Kylo Ren jeune se balade sur Ewoks parce que. En colonie. Ouais, voilà, je pense que les Ewoks, les gardent les enfants pendant que. Je sais pas, ils vont faire les courses, Han Solo et tout. Durant les vacances scolaires, et du coup, peut-être qu'il s'est baladé et il a trouvé le masque qui n'avait pas entièrement brûlé. Peut-être c'est le début de. Tu vois. Ou alors il a fait toute une recherche, il a retrouvé le sabre laser, il a trouvé le casque. Non, ou alors il a pris 5 ans. C'est pas le même masque. Il a recréé le casque,
Mais Luke, il était pas content. Il lui a dit non, tu referas pas ce casque-là. Et puis ouais, il a... ouais, ou alors, on peut aussi supposer que Darth Vader avait peut-être plus genre masque. Parce que bon, quand même, oui, il y a qui... merde, il faut peut-être... Non, pour moi, c'est vraiment... Tu devais passer au lave-vaisselle, donc... Ouais, ça a aucune importance. C'est pour les trois premiers jours de la ça semaine. Ça a pas d'importance, mais c'est... Oui, c'est pour moi, ça, c'est pas problématique, ça. Non, mais le fait de brûler le masque, c'est... On tire un trait sur Dark Vador. Dans le film, ça ne sert pas à grand-chose qu'il y ait le masque. Non, mais c'est symbolique. C'est symbolique. Et ah, j'ai envie de te dire, même cette scène, je l'aime pas parce que il est en train de se dire oui, papy. voilà. Alors, donc, du coup, t'as pas besoin du masque. S'il dit déjà le truc papy, qu'est-ce que je fais, j'ai envie d'être aussi fort que toi, t'as pas besoin du masque. Parce que, ou à la rigueur, j'ai juste envie d'être plus fort que toi et là tu vois le masque. T'as voulu une photo photo de lui à 50 et comme ça avec son masque. Ah, bon, on reste sur Kylo. Alors, donc pourquoi Kylo Ren porte-t-il un masque? Moi je sais, c'est parce que c'est psychologique. Mais oui. Parce qu'il veut être l'image. Il veut être Darth Vader. Ah ouais. Et en fait, il veut pas qu'on voit son vrai visage. T'as vu la gueule angélique du mec, il fera jamais peur à l'Empire. Enfin, dans l'Empire, il sera jamais charismatique. Ouais, quand il ouvre et que tu t'attends à un truc, en vrai, j'étais sûr qu'il allait avoir juste une tête normale. Non, mais en fait, c'est pour cacher cette coupe de cheveux. Moi, je trouve des belles boucles de bourrine. Ça part parfaitement ce truc. Ah non, mais t'as envie de lui caresser les cheveux. Mais c'est peut-être un masque. C'est ça, en fait, tout. C'est un masque, un casque structurant, en fait. À la base, il ouvre. Oui, c'est un cache de séchage de ses cheveux. Pour pas qu'il se frise. Et quand il l'enlève, quand même d'un côté bien aplati. Quand il y a, t'as un mec qui arrête de faire oh, mais en fait, c'est tout mignon. Moi, ce que j'aime, cette surprise de voir cette figure horrifique et devenir en fait une gueule d'ange. Pourquoi c'est un prince? T'es beau comme un prince. C'est un prince vaillant. C'est un prince, mec. C'est un prince vaillant. Oui, non, moi j'aime beaucoup. Oui, c'est pour faire peur, quoi. Et moi, je trouve que ça marche énormément. Oui, mon Dieu, le mal, elle a un visage d'un jeu. Alors, comment il a... Il y a le rapport à Dark Vador. La beauté du diable. Il y a le rapport à Dark Vador qui est évident. Oui, c'est ça. Donc, bon. Alors, déjà, ça soit une Christensen quand même. Il aurait ouvert. Encore lui. C'est la chirurgie esthétique. On aurait tous été vénères, quoi. Oui, c'est ça, comme Kim Kardashian. Comme le sosie, le mec qui va ressembler à Kim Kardashian, il se fait la chirurgie esthétique. Là, pareil, il va ressembler à Hayden Christensen. Il se frise les cheveux. Non, il ne ressemble pas parce que ça n'existe plus. C'est vrai. Pour moi, c'est stupide. Alors, est-ce que Luke Skywalker a vraiment abandonné sa fille sur une planète et qui est la maman de Rey? Bah oui. Mais c'est pas le père de Rey, arrêtez. Parce que Luke Skywalker n'a jamais eu de vie sexuelle. Il peut pas. En dehors de sa sœur. C'est un jeudi. Il peut pas avoir de rapport sexuel. Et peut-être sexuel. Que sa maman, c'est Léa. Mais Marajad, il a pas eu de. Qui? Avec Marajad, il a pas eu de. C'est qui Marajad? Marajad, c'est la fille qui le. La chasseuse de primes qui l'initie dans la trilogie de Timothy Zahn. Non, je me rends des bouquins là. Bah oui, ça a aucun rapport. Mais aucun rapport avec l'univers étendu. Oui, mais ça veut dire. Alors, cette connerie de dire que les Jedi ne peuvent pas se reproduire, tout ça, qu'ils peuvent pas baiser, c'est dans la prélogie qu'ils disent ça. Ils ont jamais dit ça dans la trilogie de base. Oui, mais. Ils se reproduisent parce qu'il a des enfants. Je crois qu'ils se sont juste touchés. Bah attends. Non, mais c'est pour une chose, c'est vrai que jamais Obi-Wan Kenobi lui dit mais non, on va pas baiser Leia. Mais non, mais ça c'est des conneries. C'est des chevaliers, c'est pas des moines. Il y a un bisou avec Leia d'ailleurs. Inceste. Mais on le savait pas encore. Je coupe ou je coupe pas hein? Non, on coupe pas. Allô? C'est Raph, hein. Bon, tu coupes à toi. Oui. On reprend sur les autres questions. Mais après, sur la bande-annonce de sa fille, un peu. Après, voilà, on ne sait pas si c'est sa fille ou pas. Non, mais on ne sait pas. On est encore à l'ère des spéculations. On se doute que c'est voudrait, sa fille. On pense on a l'impression que c'est dans ce cas-là, qui est la maman. Qui est la maman. Non, mais c'est pour ça, les Jedi qui. Mais arrêtez, on ne sait pas si c'est sa fille ou pas. Donc la question, c'est pas quand on le saura. Moi, c'est juste qu'on arrête de dire que les Jedi ne peuvent pas avoir des enfants. C'est des conneries. Ça, c'est la prélogie qui a installé ça. C'est pas un système monastique. C'est des chevaliers. De base, des chevaliers, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Ils peuvent. Mais non, c'est pas dit que c'est sa fille, c'est bon. Non, mais il y a quand même des indices qui te laissent à penser que ça pourrait, quoi. À part que c'est un pilote, ouais, qu'elle est sur Tatooine Light, avec Jakku, là. Elle voit le présent, le passé, le futur, et à un moment donné, elle voit des gens qui... Oui, mais parce qu'elle a la force, c'est juste mais parce qu'elle a la force. Elle petite, on l'a abandonnée, et elle dit non, et elle lui dit c'est ta descendance, mais la vieille, elle lui dit... T'imagines, d'où tu viens. Luke, abandonner sa fille... Mais c'est ce que je dis, c'est chelou. Dans un même pays que lui, il a subi, quoi. Oui, bon, attends, en même temps, il s'est retiré tout seul sur une planète. Hein, alors, qu'est-ce qui serait bête? Il dit, moi, je vais en Bretagne. Je vais en Bretagne, tu vas dans le désert. J'ai pas envie d'être papa, moi, je vais manger des galettes. Voilà. Donc, je me casse. Il y a une très bonne crêperie. Non, surtout qu'on lui a dit,
Alors, il y a notre réalisateur qui arrive. En fait, on tourne avant. on lui a quand même dit qu'on revient, qu'il reviendrait, tu vois. Mais c'est ça. C'est... Elle dit, je reviens. Je reviens. Non, c'est pas Luc. Luc peut pas être un bâtard comme ça. Par contre, la maman, comme on sait pas qui c'est, peut-être. Oui. Je pense que c'est possible. Coucou, Raph. Coucou, Raph. Je pense que c'est possible de... Comment dire que, T'entends, Raph, viens là. Raph, il a un pull à propos. Là, je sais pas quoi dire. Vous m'auriez vu hier. T'étais comme un fou. Ça va. On a lancé la caméra sans toi, on a fait la lumière oui, sans toi. Bah, je comprends. Vas-y. Je comprends. J'en étais moi. La fille de Luc, je pense que c'est pas la fille de Luc. Mais si, c'est la fille. Non. À ton avis, Raph, c'est la fille de Luc ou quoi? Non. Mais si. Non, ou alors, à la rigueur, il dormait et il y a une meuf qui lui a prendre le sperme. Elle s'est fait une insémination artificielle pour dire. Comme ça, je vais avoir la force en moi. Et puis, il est allé, comment ça s'appelle, la planète des clones, la kimono Camino. Il était allé, il a dit, faites-moi une fille. Ouais, alors Camino. Comme Boba Fett. Bah oui, bah, Camino, on n'entend plus parler depuis 30 ans. Hein. Je veux dire, il utilisait une fois pour faire des cours. Mais... Faites-moi une fille, mais dites-vous. Toute la technologie là-dedans, qu'est-ce qu'elle est devenue? Il vit de quoi les gens? Il va avoir des relations sociales, il va dire, ah non, les femmes, c'est dégueulasse. Une fois, j'ai essayé de coucher avec ma sœur. Ces gens-là étaient quand même financés. Oui. Donc maintenant, ici, ils ont plus de clients. Qu'est-ce qui se passe? Ils avaient tellement la classe qu'ils pouvaient s'asseoir dans des cuillères à soupe chinoise géante. Bon. Et ils faisaient moche aussi. Alors. Ah oui. Ah, alors, c'est dégueulasse. Ouais, truc, moi, qui m'a. Toujours sur les personnages. Il pleut tout le temps. R2D2. Un héros de guerre. Oui. Encore. Oui. De guerre, en plus. De guerre. Et le personnage principal de la trilogie, parce que c'est lui qui suit sur les 6 films. Dans la logique, on le suit, lui, ouais, et qui fait tout l'acheminement des personnages. Ouais, qui les accompagne. Et là, t'apprends qu'il dort, en fait. Et là, c'est pas qu'il dort, ça me dérange pas, parce qu'il est il a toujours été connecté à Luke, et c'est ça qui est fort, comme il avait été connecté à Hayden Christensen. J'arrive pas à dire que c'est... Et dans un coin. Là. Il est dans une cave, dans un coin qui prend la poussière. Il devrait être dans un matelas, sur un oreiller allongé, tranquille. Sur un socle en or massif. Sur un socle. Et le mec, il est dans une cave, à l'arraché, à côté d'un bazar. Mais après, là, parce qu'il voyage, tu sais. Limite. Peut-être que sinon, il a une chambre et puis il y a des mecs qui viennent prendre des photos avec lui. Limite, c'est 3 PO. C'est genre, limite, c'est 3 PO de mettre à 4 pattes pour le soutenir. Et lui, ferme ta gueule, c'est 3 PO. C'est 3 PO, le prend, on le désactive, c'est 3 PO et il reste comme ça. Il dit, parfois, je lui parle, mais il me répond plus. C'est ça. Je le caresse. En fait, il fait une dépression. Il me répond plus. Petite dépression. Non, mais le pire, c'est que c'est 3PO est indigeste dans ce film. Ouais, franchement, ouais, mais il est juste. Heureusement qu'il n'y a pas plus, quoi. Il va voir des verres de. Ouais, cette vieille casserole ne marche pas, tu l'entends. Mais c'est ton meilleur pote. Non, mais tu sais, je trouve qu'ils ont mieux géré ce 3PO que dans la prélogie, ce qui n'est pas difficile, mais effectivement. Je trouve que par le moment, il casse les retrouvailles entre Leia et Han Solo, je trouve ça très drôle, je trouve ça assez bien rythmé. Et puis, c'est typiquement. C3PO, oui. Il dit hey, c'est moi C3PO, tu travailles là. C'est très drôle. L'humour dans le film est assez bien géré de toute façon. Je sais pas, il est moins brillant, il est un petit peu plus patiné dedans. Le. Oui, le quoi le... En fait, je trouve qu'il fait plus fake qu'avant. Mais un petit peu. Alors qu'avant, quand même, c'était le truc un mais, peu. Mais par marrant, là, quoi. Là, ce qui est effectivement triste, c'est plus. Il a pas été graissé, c'est pour ça. C'était censé être les deux. Alors je sais que BB-8 est censé être le nouveau. Grande classe, R2-D2. Très bien. Grande classe. Bon. Mais ce qui est triste, c'est que lui, il a pas de... Parce que on sait que le couple qui marche et qui découvre et tout... Les Laurel et Hardy. Ouais, les Laurel et Hardy, ça vient aussi notamment du Château de l'Araignée avec les deux les duos, donc les Araignées de Kurosawa qui était la grande inspiration. Et c'est un peu le centre qui permet... Une histoire de nouvelle espoir. Voilà. Attendez, le mec qui a 40 ans, il a fait un film où il se dit... Pendant 20 minutes, on va avoir que les robots. Non, on va avoir deux droïdes qui parlent, quoi. Et dès le premier film. Voilà. Dès le premier film. Et c'est là où tu dis que ça, c'est un film un peu expérimental qui va dans des autres trucs différents. On vous mettra le lien. Il y a une critique qui passe en ce moment sur Facebook. Donc, il y a une émission de critique suisse de l'époque. Oui. De 77, qui s'amuse à décortiquer le film en fait. Et tu vois, un petit vieux qui dit oui, mais c'est un film qui va pas révolutionner le cinéma, mais bon, puis regardez, ces robots ils sont mignons, mais bon, ça va à la fin quand même. C'est marrant. Qui leur tenait que les robots. Il y a une critique française aussi qui était sortie, le masque et la plume. Ah oui, je me rappelle. Oui, ouais, il dit ils sont marrants les deux robots, ils sont sympas, ils sont amoureux. Tout que c'est un ils disent c'est un duo un peu homosexuel, ouais, ouais, de suite déjà, bam. Ouais. Alors, question très importante. Pourquoi le sperme d'Harrison Ford n'engendre que des petits cons prétentieux? C'est soit Shia LaBeouf dans Indiana Jones, soit Kylo Ren, un mec qui passe Film à chaque fois. Alors moi, je pense qu'il y a un problème, c'est une histoire de génétique. C'est-à-dire qu'il est tellement cool à la base que son sperme ne peut pas intégrer le gène de la cool attitude. Et du coup, il est maudit à engendrer que des petits cons débiles.
Parce que comment tu peux, avec, si toi en fait, tu dis que ça doit être trop cool que ton père soit Han Solo ou Indiana Jones. Peut-être mais en fait, quand tu réfléchis, en fait, tu dois complexifier. Tu peux être un mort, tu peux être un câble, tu peux être un loser. C'est peut-être juste à cause de la femme hein, aussi. Hein, de suite. Leia, elle est pourrave, et puis Marion. Ouais, Marion, elle est pourrave aussi dans le cas. Donc bon, Indiana Jones. Ou peut-être que les gens aussi cool ne sont pas des bons pères, tu vois. Ils s'occupent peut-être pas du tout de son. Oui, parce que ça reste un personnage très égoïste. Oui, tu vois. Peut-être qu'il voulait travailler, il disait non, moi je suis avec Chewbacca, je vais faire. Peut-être qu'à un moment il a ouvert la porte, il a vu Chewbacca en train de faire une gâterie à Tokyo. Bravo au make-up et à la réalisation, aux angles de vue, etc. Parce que Harrison Ford a un nez complètement déjà crochu et tordu, et vous le voyez à fond dans Expandables, c'est horrible, ça m'a buté le film. Et là, je sais pas, on voit pas, il est nickel, il est classe quoi. Il est classe, hein, moi j'ai jamais eu de problème avec le nez de Harrison Ford. Là, mec, je vais t'envoyer une photo, tu vois, je sais pas, mais en même temps, il a. Il a 70 ans, bien sûr. Bien sûr. Donc, Dans Expandables, Mark Hamill, je pense que. Mark Hamill. Je sais pas s'il est costaud. Je renvoyais ses yeux, putain. J'ai renvoyé les yeux 30 ans après. Mais oui, oui. Putain, c'est lui, quoi. Oui, c'est Luke, quoi. Il est là, dans le regard. Les yeux un peu vitreux. J'ai revu récemment dans Flash, et tu vois la tête qu'il a. Tu dis, oh là là, tu dis comment il. T'arrives pas à lier les deux, quoi. C'est un paysage. En fait, je crois qu'il y a le Mark Hamill. Le Mark Hamill, Luke Skywalker, ouais. Et tous les autres Mark Hamill, oui, en fait. Et un mec surexcité sur. Mark Hamill qui a fait le Joker, n'oubliez pas les voix du Joker dans les animés. Et qui était le héros des jeux vidéo Wing Commander. C'est vrai. Aussi. Qui a eu un film avec Freddie Prinze Jr. Il pas le film. Très bon film que je vous conseille. Non, c'est pas vrai. Un grand space opéra. À la mesure de. Faudrait faire un commentaire audio là-dessus. Non. Même avec vous, je crois que je me ferais chier. C'est vrai. Je veux bien faire des Mortal Kombat, etc., mais ça, non. Non, mais c'est vrai que, bon... En même temps, ils ont pas fait l'erreur d'essayer de faire, par exemple, Shia LaBeouf, quand c'est le fils d'Indiana Jones, et il est insupportable, mais ils essayent d'en faire un personnage cool et intéressant, etc. Mm. Et là, l'idée a été quand même d'en faire, justement, le méchant, quoi. Et en faisant le méchant, il existe par lui-même. Le personnage est intéressant. Ou celui-ci qui a la mère, etc. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est une bonne opposition que juste essayer de faire une sorte de... Ça aurait été débile de faire un fils qui essaye d'être comme lui, comme ils ont essayé de faire avec... Oui, oui. Avec Shia LaBeouf, avec Indiana Jones. Un vulgaire clone. Ouais, c'est déjà ça. Et quand tu vois ça, tu dis, bah ouais, mais bon, Shia LaBeouf, Indiana Jones, ça aurait utilisé 2 minutes, quoi. Enfin, moi, j'ai une question. Jamais. Il s'appelle Obi-Wan ou juste Ben? Ben. Ben Solo. Ben Solo. C'est juste Ben Solo? Ben Solo. Ben non plus Solo. Non, je pense pas. Ben non plus Solo. Ben Solo. C'est vrai qu'avec un nom. Ben Solo, c'est pas Ben Solo. Bah, il vivra ben seul. Solo Organa. Non, ouais, Ben Solo. Ben Organa Solo. Ben Organa Solo. Ben Solo. Okay. Ben Luke Anakin Skywalker Organa Solo. T'imagines? Voilà. Tiens, bah, t'imagines la scène. Je parie que Chewbacca, c'est son parrain. C'est obligé. Bah oui. Ouais. Alors que t'es Luke, mais Chewbacca, il a une tête de parrain. Non, mais de parrain. Mais Luke, c'est son parrain. Non, la marraine, non, c'est... non, la marraine, c'est Chewbacca. Bah, la marraine, c'est la femme de Chewbacca que tu vois dans le Holiday Spécial. Oui, c'est vrai. Avec toute sa famille. Mais en fait, lui, il s'en fout. Hein. C'est en fait, Chewbacca, là, il est rentré à la Renseignez-vous, les amis, sur ce qu'est le Holiday Spécial. Le mec avec qui je bosse depuis 30 ans, elle est morte, tuée par son fils. Non, mais sa mère, c'est pas une bière. Par contre, Maz, elle a une tête de marraine, la marraine de tout le monde. Ah oui, oui, mais voilà, c'est le Yoda de la nouvelle trilogie. Mais c'est un peu la mama. Mais de toute façon, son bras, c'est une sorte de pépinière pour droguer, pour le mec qui font du reggae. La nouvelle cantina, remake. Ça aurait pu être Whoopi Goldberg. Il y a 20 ans, ça aurait été Whoopi Goldberg. Ça fait penser à Whoopi Goldberg dans Star Trek. Ça ressemble plus à une brasserie qu'à une cantina, d'ailleurs, ce truc. Mais ça a l'air sympatoche. La cantina, j'avais jamais eu envie d'y aller. Franchement, ça a l'air glauque. Tu dis les chutes de la cantina. Oui, mais... Ah oui, ça a l'air moche. Là, c'est parce que... Là, tu vois, la force de J.J. Abrams, c'est que... Les héros ils rentrent, la caméra les suit, les héros ils partent à gauche et la caméra part à droite et va se balader dans la cantina pour arriver jusqu'à Maz. C'est juste génial. Oui, voilà. Et il y a plein de petites immersions comme ça dans cet univers qui te font découvrir les environnements qui sont juste parfaits, nickel, bien calibrés. Et donc, on a appris récemment que Daniel Craig joue dans le film. Oui, Daniel Craig joue dans le film. Donc, il joue le Stormtrooper qui fait l'interrogatoire, qui se fait mind forcé, j'ai envie de dire, par Jay. Quand il dit, vous allez me détacher mes liens. Non, je ne vais pas détacher tes liens, t'es folle ou quoi? Ça se marre parce qu'il le fait d'une manière assez... Et puis si on voit sa voix, enfin on le reconnaît un peu. Daniel Craig,
Perso, j'ai rien connu. Il a fait un Stormtrooper, genre. Tu veux que je te détache bien, connasse? Genre supporter de foot, tu sais. Comment il balance son blaster? Ah ouais, quand je vois. Et je balance mon blaster, j'ai fait putain, il est. C'est quoi l'intérêt, mec, là? Et après, j'ai vu, j'ai fait. Ah oui, d'accord. Parce que Daniel Craig est fan. Oui, c'est fan, et Michael Giacchino aussi, le professeur qui est dedans. Simon Pegg aussi dedans. Ouais, mais t'es Daniel Craig, t'es fan, tu fais à la rigueur un petit caméo quoi dans le personnage. Ouais, mais non, il faut pas que ça bouffe l'univers. Ça détourne l'attention. Moi, je trouve ça assez cool quoi. Non, c'est... ça sert à rien. Tu sais que t'as le mec de Heroes, là, le Parkman, là, le mec un peu rond là, qui joue un pilote de X-Wing avec un bouc. Ah oui, mais ça c'est autre chose. Voilà. C'est parce que lui, c'est un pote à Abrams. C'est un pote à Abrams qui jouait dans Alias en fait. Et même l'Asiatique dans le centre de commande, c'est le pote à Abrams. Tu sais qui c'est cet Asiatique? C'était le tueur dans Rush Hour 1. Oh la vache. Ouais, le celui qui enlève la petite fille. C'était lui. C'était que c'est un pote à Brett Ratner aussi. Ah, oh, vrai. Moi j'ai été étonné juste qu'il mette pas le bad robot, le robot de bad robot. Il est à la fin. Il est tout à la fin, après le générique. Après le générique de fin. Mais après le générique, mais pas ça, je le dis dans le film quoi. Il y a un droïde. Oui, bad mais robot, quoi. C'est BB-8, c'est bon. Ouais, on l'a compris. BB-8, il est pas du tout le même film. Non, il a des tortillons, le robot de. Ouais, bad robot. C'est vrai, c'est ça. Ouais. Il est rouge, il fait. Il est rien qu'un. C'est vrai. Ça fait beaucoup c'est BB-8, les mecs. Bref. Mais c'est vrai que dans une décharge, ils auraient pu mettre le robot de. Moi, ce qu'ils auraient pu faire. Vu qu'Abrams avait mis un. Alors après les questions, on est maintenant dans les suppositions. Vu qu'il avait mis un R2-D2 dans Star Trek, il aurait pu mettre un truc de Star Trek dans Star Wars. C'est vrai. Ça serait rigolo. Non, mais je dis conneries. Bon. Un intérêt, un truc qui passe rapidement, genre. Cumberbatch. Ouais. Je passe. Tu imagines, je suis pas canon. T'imagines, tu es. Tu t'appelles DJ Abrams. Le mec, il a quoi? Il a 40 balais? Ouais, un peu plus. Bon, 45 ans, on va dire. Il a taffé sur Mission Impossible, sur Star Trek, sur Star Wars. Tu t'arrêtes là, quoi. Ouais, mais ce qui est un peu dommage, ouais, mais ce qui est un peu dommage, c'est que en tant que producteur, il a une carrière exemplaire, mais en tant que cinéaste, il a fait pratiquement que des réactivations des de franchises. Oui, à part Super 8, mais bon, moi je suis pas trop fan de Super 8, mais il a fait que des réactivations de franchises. Donc là, tu dis, mince, faut peut-être revenir sur un truc original. C'est pareil, Super 8 n'est pas original non plus, quoi. Fondamentalement, non. Non, c'est le roi du reboot. Hein. C'est même lui qui l'a. Enfin, je veux dire, il l'a même carrément mis dans son script de Star Trek, quoi. On va faire un truc, c'est la même chose, mais différent, dans le même univers, mais on tue pas l'autre univers. Pas la même époque, etc. Et quand il a fait ça, en fait, tu te réfléchis deux minutes, tu fais, mais putain, mais en fait, c'est... là, il est en train de te faire son manifeste économique, quoi. C'est-à-dire que je vais faire ça tout le temps. Je vais faire à chaque fois, je vais reprendre une histoire, je vais la retravailler. Enfin, économique, parce qu'il y a quand même quelque chose de marketing. Enfin, oui, bien sûr. C'est... Même son principe de la mystery box qu'il avait. Il parlait lui-même, il a ce qu'il appelle le concept de la mystery box, il a même fait une convention TED là-dessus. On ouvre des portes. Où il dit voilà, mystery box, c'est la boîte mystère, qu'est-ce qu'il y a dans la boîte mystère? Et il dit en fait, il expliquait que tous ces films, toutes ces séries, tout ce qu'il crée en fait, marche sur cette idée-là. D'accord. On va chercher qu'est-ce qu'il y a dans la boîte. Et là, c'était plus qu'est-ce qui est devenu de Luke, tu vois. Mais c'était la. Et il y a toujours un truc de mystery box, et ça marche ou pas? Genre, le personnage de Khan dans Cumberbatch, c'était raté. D'accord. Mais souvent, il oui, fait mais ça. Oui, parce que c'est pas vraiment la mystery box, le personnage de Khan, c'est que. Oui, c'était une fausse boîte mystère. Oui, voilà. C'est comme si parce que ça arrive plus comme un cheveu sur la soupe. Oui, une boîte mystère, en fait, tu te rends compte que c'est un vieux truc que t'as rangé. Franchement, c'est des vieilles chaussures. Il aurait dit je m'appelle Albert ça. Plutôt que Khan, ça aurait été pas. Le film aurait été le même. Hein, non, non, s'il avait dit je m'appelle Albert, j'aurais trouvé ça couillu. C'est un peu bizarre. Je m'appelle Albert, je suis le cinquième mousquetaire. Bon, est-ce qu'on clôture cette émission? Oui, je pense qu'on va arrêter. Hein. N'hésitez pas, j'espère que vous avez noté les questions auxquelles vous voulez continuer le débat. Oui, dites des questions que vous voulez répondre, on y répondra avec joie, surtout qu'on n'a aucun rapport avec le... Avec les... On n'est pas scénariste, etc. Non, hélas. Du coup, on pourra toujours voilà, répondre, continuer. Rian Johnson, qu'est-ce que vous pensez de la suite? Moi, je serais assez intéressé. Qu'est-ce que va faire Benicio Del Toro? Vous imaginez pas comment j'attends le deuxième. Parce que ça soit un repompage de tout ce qui a été fait avant, etc., ça laisse une base de nouveaux personnages tellement bons. Ah, c'est ça. Et le 8. Il y a Johnson qui arrive après en réalisation et scénario. Mm-hmm. Ça me donne. Mais moi, demain, je le veux demain. Je vais aller dans une machine remonter le temps. Ça risque d'être. Est-ce que tu penses vraiment qu'il va faire un. Parce que moi, je dis ça sur Internet que Benicio Del Toro joue pas un Sith, joue un méchant, mais qui serait pas. Je m'en fous de Benicio. Je vais juste voir la suite. On va voir du moment qu'il soit bien. Je joue plus qu'il joue. Est-ce qu'il doit s'appeler Kilo maintenant? Non, non, Benicio Del Toro. Tonne. Parce qu'il est au-dessus. Kiloton ou Kilowatt. J'ai dit oui, putain. J'ai vu une annonce que Benicio Del Toro disait que tout le monde lui disait que c'était un méchant et qu'en fait, lui, dans le script qu'il avait lu, il n'avait pas l'impression, en fait. Donc, est-ce que c'est un contre-buzz ce Non, je ne suis pas bluffé. Je joue toujours des méchants. Donc là, il a dit non, franchement, je tue que 100 personnes. Donc d'habitude, beaucoup plus. S'il joue plus que, à la façon de Sicario que dans Gardien de la Galaxie, moi, ça me va. Ah bah oui, de toute façon.
C'est dans Sicario où il fait je suis un mec ambigu. Oui, c'est ça. Ça, c'est intéressant. Oui, oui, oui. Mais c'était ça qu'il y a à faire. De toute manière, avec Johnson à la barre, c'est. Peut-être qu'il aura un make-up, hein. Peut-être qu'on le reconnaîtra pas. Peut-être qu'il aura un truc sur la tête. Sur la tête. Hein. Mm. Bon, en tout cas, le 8, là, je l'attends vraiment. Là, dans 2 ans. Dans 2 ans. Même pas un an et demi. Un an et demi, vu qu'il sort l'été. Ouais. Un an et demi à attendre. Non, bah non, on a le Rogue One pour patienter. Bah, oui, non, mais attends, avec tout ce qui est DC Comics, Marvel et compagnie, les Fox, etc. Ah, bah là, le marché est saturé jusqu'en 2020. C'est clair. On n'a pas le temps de se faire chier, on n'a même pas le temps d'aller voir les. On n'a pas le temps de faire les critiques parce qu'il y en a qui sort juste après. La critique est déjà has been. Est-ce qu'on parle de Star Wars parce qu'on n'a pas encore parlé de l'autre film d'avant et tout? On se dit merde, ça fait chier. Les gens attendent toujours notre critique d'Interstellar d'ailleurs. Ouais, c'est sympa. C'est pas mal. Voilà. On devrait faire un truc rapide comme ça. Et Ant-Man, bof. Genre un mot. La critique en un mot. En un mot, une minute, tac, chacun dit un mot, voilà. C'est ça. Ouais. C'est pas mal. Bon, bah voilà. Bon, bah voilà. Bah, bonne bourre et à bientôt. Allez, amusez-vous bien. N'hésitez pas. Bye bye.